qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le long confesse. Lève la main droite, déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu le crois? Dis le plus fort encore, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, en RDC, seul Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Plus fort dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans notre famille, dans ma maison, dans mon corps, dans mon sang, dans mon ADN, dans mes gènes, seul Jésus, est Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi. Et il en sera ainsi. À perpétuité. Amen. On célèbre Jésus très fort ce matin. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire. Pour tout ce que tu as déjà vu. Et tout ce que tu n'as pas encore vu. À lui soit la gloire. Pour les promesses qui ont été accomplies. Pour les promesses qui n'ont pas encore été accomplies. À lui soit toute la gloire. Pour les victoires qu'on a remportées et les guerres qu'on a perdues, nous le donnons toute la gloire, dans les bons comme dans les mauvais jours. Nous le donnons toute la gloire, car lui seul est Dieu et ce qu'il fait est parfait. Amen. Je vous dis bonjour dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine, mais je vous annonce que celle qui commence, elle sera excellente. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Je ne sais pas où tu étais, avec qui tu étais, comment ça s'est passé. Mais j'aimerais te dire que Dieu a un plan merveilleux. Ton père, quand il te regarde, des fois, il ne connaît pas. Ta mère, quand il te regarde aujourd'hui, là, elle ne connaît pas. Des fois, tu demandes à un prophète, qu'est-ce que tu vois? Il ne connaît pas. Mais dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Dis à ton voisin, mais Dieu connaît. Dis à ton voisin, toi tu ne connais pas. Les sorciers ne connaissent pas. Mes amis ne connaissent pas tout. Mais Dieu, il connaît. Puis-je vous faire une suggestion ce matin? Y a-t-il des mamans qui ont déjà été enceintes, qui ont eu des enfants? Levez la main, vous avez déjà mis. D'accord. Avec les moyens de bord, avant qu'un enfant naisse, on trouve déjà
ce qu'on appelle la layette. Si la maison est pratique et disponible, on peut prévoir une chambre pour l'enfant. Mettre une peinture selon son sexe. Et vous prévoyez même une voiture pour lui qu'on appelle. Alléluia. Boni mwana abondela ki pona yango. Alléluia. Non, non, non. Est-ce que l'enfant dans le ventre, boni mwana na kati na libumu, il a la foi? Ye azana kondima. Come on, daddy. Est-ce que l'enfant a prié pour ça? Boni mwana ye abondela ki pona makambwana. Est-ce que l'enfant a brisé les autels de génétique? Boni mwana ye abuka ki bitumbe ya makambwa kobota ya makila. L'enfant n'a même pas de conscience. Mais quand l'enfant naît, tout est déjà là. Pourquoi? Celle qui a conçu avec le Père ont pourvu à tout avant que l'enfant ne vienne sur la terre. La maison où l'enfant va être, ce que l'enfant va porter, ce que l'enfant va manger, et même la voiture et le chauffeur qui va le conduire. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Avant que tu ne sois sur la terre, ton père avait déjà fait ta layette. Ne t'inquiète pas pour la voiture. Oh, une voiture. Si moi je peux acheter une poussette pour ma fille qui va naître. Et Dieu, n'a-t-il pas prévu des poussettes pour toi? D'ailleurs, ton père m'a envoyé de te dire. Maintenant, tu vas voir qu'il est un père responsable. Il va te donner la maison. Il va te donner la voiture. Il va te donner les habits. Il va te donner à manger. Parce qu'il est ton père. Dis à ton voisin, j'ai un père responsable. Que Dieu bénisse les gens qui s'aiment dans ces paroles. J'ai un papa. J'ai un papa. J'ai un papa. Il est responsable. Il n'est pas irresponsable comme certains pères. Il n'est pas irresponsable comme certaines mères. Mon papa est responsable. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tous mes besoins. Je n'ai pas besoin de la foi. Je n'ai pas besoin de la prière. Génétiquement, parce que je suis son enfant. Il y a des choses qu'il fera naturellement pour moi. Et je déclare pour toi en ce mois de mai, en ce mois de surnaturel, tu vas expérimenter la provision divine. Là où Dieu te donne la vision, il assure la provision. Là où Dieu te donne le fardeau, il donne des cadeaux. Là où Dieu te donne la direction, il te donnera aussi la provision. J'ouvre la bouche et je parle sur toi. Ton mois de mai est le mois de la provision divine. L'enfant n'a pas prié. On l'emmène dans sa chambre. Que Dieu te donne ta maison aussi. L'enfant n'a pas prié. On lui donne le lait maternel. Que Dieu te donne des choses pour lesquelles tu n'as pas prié. Lève la main droite et dit, hey Yahweh, Osa papa nangai. Dis à ton voisin en lingala, là, au bang, si qu'on est. Regarde ton voisin, de quoi as-tu peur? Ce sont les païens qui s'inquiètent comme ça. Papa, non, non.
Moi, votre pasteur, ça peut m'arriver de manquer. Mais pas 48 heures. Je peux manquer aujourd'hui. Demain. Dieu va ouvrir une porte que je n'ai même jamais imaginée. Le secret, c'est de ne pas regarder aux hommes. Amen. Moi, si je manque celui-là, l'autre peut ne pas me donner, mais l'autre là me donnera toujours. Il y a des gens pour toi qui sont les canaux officiels. Ça peut être un homme. Ça peut être un salaire aussi. On peut ne pas me donner, mais le 5, mon salaire sera là. Un homme peut mourir. L'entreprise peut tomber en faillite. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais heureux est celui qui place sa confiance dans l'Éternel. Dis à ton voisin, regarde à Dieu. Maintenant, pose la question à ton voisin. Es-tu capable avec tes deux yeux de prendre un œil de regarder en haut et de prendre un autre œil et de regarder en bas? Pose la question. Oh, Zotou Nathan. D'ailleurs, ton voisin dit, est-ce que tu es capable? Moi, tu regardes un œil au-dessus, un œil en bas. Tout est possible à celui qui croit. Fais-le un peu si tu crois. Fais. Est-ce que c'est possible? Hein? Pourquoi? Dieu a fait cela pour que l'homme ne regarde avec ses deux yeux que dans une seule direction. Amen. Soit tu regardes en bas, totalement. Soit tu regardes en haut, totalement. Mais tu ne peux pas regarder un peu en haut et regarder un peu en bas. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Dieu et tu t'attends aux hommes. Enlève tes yeux des hommes. Garde tes yeux en Dieu. Et utilisez pour te donner. Je termine en disant ceci. À combien sommes-nous sur la terre? On nous dit que nous sommes déjà près de 8 milliards. Dans 8 milliards, une seule personne refuse de te donner. J'aime bien te priver de quelque chose. Il te prive de quelque chose. Et tu commences à pleurer. Dieu a encore à peu près 8 milliards de personnes potentielles qui peuvent te donner. Si tu ne m'aimes pas, c'est quoi par rapport à 8 milliards de personnes potentielles qui peuvent m'aimer? Hein? Regarde ton voisin, dit. Vois que ça va. Ah, laisse-le tomber. Dis à ton voisin, 8 milliards. 8 milliards. Oh non, il ne veut pas me financer. Je suis allé vers l'ONG. Je suis allé voir tel pasteur. Papa, dis à ton voisin, 8 milliards. Dis à ton voisin, 8 milliards. À côté de tout ce qu'il te refuse, 8 milliards. Je disais à quelqu'un dernièrement. Oh papa, je ne sais pas le Congo. J'ai dit ok. On est allé sur Google et on a vu la map monde. J'ai dit, tu sais que Dieu a créé toute cette terre. Tu vois ces continents? Le Congo, c'est. Enlève tes yeux des hommes. Je ne sais pas, mais ce matin, Dieu me met à cœur de dire à quelqu'un. Fais-moi confiance. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais ton Dieu qui t'a rêvé ce matin, qui m'a emmené pour te parler ici, m'a dit de te dire, ma fille, mon fils, fais
Fais-moi confiance. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On acclame aussi pour ceux qui sont sur Power Channel. Ils sont sur YouTube. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Merci. Soyez bénis, bénis, bénis. Amen. S'il vous plaît, déplacez-vous, saluez une dizaine de personnes. Et déclarez de bonnes paroles sur ces frères et soeurs. Alléluia. Même vous qui êtes en direct, saluez-vous. J'ai dit combien de personnes? J'ai dit 10. La dixième personne, c'est ton beau-père. Dixième personne, c'est ta beau-père. Yoke, Odongoli, Oleki, Nzoro, Yebiteke. Tant que mes maillots et pas papa na bango, au monde, tata on tira qu'une église. Toi tu passes sur le toit, tu le regardes, tu sais pas quand elle va t'amener chez son père. Toi tu l'as négligé à l'église. J'ai dit 10, peut-être que celle-là, c'est ta femme, la dixième là. Na lobi zo, mais tant mon sou sou mouto zo, mais on a de moi si abo moi na yo. Ou bien c'est ton futur mari. Peut-être y'a un de mon bal inoy al na mikoleza. Est-ce que c'est 10 personnes? Boni, au kogiti batu zo mi. Merci, mettez-vous en acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça pour Jésus? Soyez les bienvenus ce matin à la porte des cieux. Et nous disons merci au Seigneur. Je tiens à bénir la vie de notre pasteur assistante. Elle peut se lever. Avant d'acclamer, je vais vous dire pourquoi. Hier, nous étions invités avec quelques personnes de l'église. Pas invités, hein? C'était pas invité, on a payé pour ça. Okay. C'était une soirée de gala qu'elle organise, c'était la cinquième édition. Et elle est à la tête d'une structure qui s'occupe, qui prend en charge dans beaucoup de domaines les enfants atteints du VIH-Sida. Elle secoue tout Kinshasa, même plusieurs pays, pour avoir le financement, avoir le soutien des ONG, la présidence, les particuliers. Elle organise ce genre de rencontres pour montrer le problème qu'il y a actuellement, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. On en a dans nos familles, dans nos églises, des gens atteints du VIH. Comment pousser aussi les gens à s'investir pour aider les enfants. C'est ça aussi être pasteur. Et hier, quand je la voyais, on était là, je regardais, j'ai dit, pasteur Danny, ok. Il y avait des personnes très célèbres du pays, des autorités, du gouvernement. J'ai dit, waouh. Et sur place, des milliers de dollars sortaient pour aider les enfants. Et je tiens vraiment qu'on apprécie et qu'on célèbre en acclamant très fort. C'est extraordinaire. Ça mérite. On peut acclamer très fort. C'est vraiment un mérite. En tout cas, on doit célébrer cela. Si tu peux te lever, on va acclamer. Merci en tout cas pour le fardeau que tu as. Merci. Merci, vraiment merci. Merci beaucoup. Merci pour les enfants. Hier, il y en a un qui a donné son témoignage. J'avais les larmes aux yeux. Il a aujourd'hui quel âge? 21 pratiquement. Il raconte comment il avait réalisé qu'il devait prendre des médicaments, il était atteint. Sa maman l'était.
Sa maman l'était et puis devait vivre avec ça. C'est difficile, l'intégration. Moi, j'ai vécu avec des gens comme ça. C'est, on croit en Dieu, on croit au miracle, mais en attendant que Dieu agisse, il faut montrer aux gens qu'ils ne sont pas morts. Ils sont, ils peuvent vivre. En tout cas, nous encourageons ce genre d'initiative parce qu'elle est l'une des rares. Il y a plusieurs organismes au Congo, hein, mais elle est l'une des rares qui vraiment pousse. Et chaque année, c'est vraiment sa priorité. Nous bénissons Dieu pour ça. Je donne quelques communications importantes cette semaine. Comme la semaine dernière, nous aurons nos trois cultes ordinaires. Le programme de mai est redevenu normal. Nous avons l'école de l'esprit du réveil ce mardi. Qui ont été bénis par l'enseignement sur le discernement des esprits? J'ai même donné le témoignage de Christian. Christian est là? Ton épouse va bien? Le bébé aussi? On était en Côte d'Ivoire. Il était en mission avec moi et le pasteur Daniel. Et il a fait deux rêves. Il ne m'en a pas parlé. Les deux rêves qu'il a fait étaient ceci. Il a rêvé que Mélanie, à l'époque sa fiancée, l'a trompé avec un assistant. Il a rêvé ça deux fois avec un assistant de l'UPC où ils étaient tous ensemble. Il parle avec le pasteur Daniel. En tout cas, il rentre au Congo et dit vraiment, moi ça ne rate pas. Quand j'ai fait un rêve, quand ça revient deux fois, c'est Dieu qui m'a parlé. Il a dit, en tout cas, je reviens à Kinshasa, j'arrête avec elle, elle me trompe. Et surtout, c'était la fin de l'année. Mais tout le monde, à la fin de l'année, prie pour savoir qu'est-ce qu'il doit prendre comme décision pour l'année qui commence. Donc, c'était une période sensible. Et puis, il était en mission prophétique avec son père en Côte d'Ivoire. Alors, on arrive maintenant à Kinshasa, le 31 décembre. Et je l'appelle ici. Je dis, tu as fait des rêves. Et les rêves que tu as fait. Tu as rêvé, on te disait que Mélanie te trompe. Il était là, en train de trembler comme ça. Oui. Dieu dit que les rêves là, ça ne vient pas de Dieu. C'est les sorciers de votre famille qui t'ont envoyé ces rêves pour que tu te maries pas avec la femme que Dieu te donne et que tu passes à côté de ta destinée. Mélanie est venue ici, se sont priés. J'ai prié pour eux, c'était en 2019-2020. Et ils se sont mariés. Et ils sont pères d'un enfant. Et ils sont très heureux, très épanouis ensemble. Maintenant, imagine que il avait décidé d'arrêter. Ça allait être compliqué. Voilà pourquoi tous les rêves ne sont pas de Dieu. Toutes les prophéties ne sont pas de Dieu. Si lui, le plus proche collaborateur de prophète Joël Francis Tatou, on l'a envoyé deux rêves. Et toi? Faites attention. J'ai fait un mauvais rêve ce soir. J'ai fait un très mauvais rêve alors que je n'ai pas pensé à la personne avant de dormir. Mais j'ai fait un très mauvais rêve sur cette personne. J'ai mal rêvé du prophète. J'ai fait un de ces rêves bizarres sur le prophète. Il faut le don pour 10
discerner quel est l'esprit derrière ce rêve, derrière cette prophétie. On peut te faire quitter l'église avec une manipulation des sorciers. Oui. On peut te pousser à divorcer. Oh, ta femme là, c'est une sorcière. Regardez ses longs cheveux là, c'est la sorcellerie. Regarde comme elle est là, comme sa maman, elle est une bougemaille. Ça veut dire, on peut t'amener des choses. Et si tu crois, tu es manipulé et tu sors de ton destin. Voilà pourquoi ce mardi, en tout cas, j'insiste surtout mardi. Parce que mardi, je vais donner la théorie et je vais aussi démontrer dans l'église. Je vais dire, toi par exemple, là, tu fais un tel rêve. On va aller discerner les esprits derrière certaines choses. De 17h30 à 19h30 et vendredi, on continue le message sur comment les gens vendent leur âme. C'était terrible vendredi de 16h à 20h. De 17h30 à 19h30, à la fin du culte aujourd'hui, dès que le culte est fini, 5 minutes après, j'ai une réunion importante avec toutes les femmes. Je dis toutes les femmes. Donc dans les femmes, il y a les mamans, il y a les cocos, il y a les bana, il y a les baleki, il y a les banamikiers. Toutes celles qui sont femmes en réunion avec moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Amen, amen, merci papa. Nasi mama yanga ninga na kozala na minuko kuta na basi. Na basi ezala mwana muke, azala koko, azala elenge. Imekasi azana bo mwasi na kati na ye, ngai papa na bino na zana sango malamu ya kopesa bino. Donc ne partez pas et attendez. Kozonga te kasi zela. Alors, je vous annonce deux grands programmes que nous avons. Dieu nous a bénis. Le mois de juin sera un mois très béni. J'ai eu une réunion au ministère Amen vendredi, avant de venir ici. Et nous aurons ici au mois de juin la présence de l'apôtre de Paul Mutombo. Alors ce sera pour une école de ministère. Il va parler à ceux qui ont des ministères, ceux qui ont un appel au ministère. C'est une conférence nationale. De tous ceux qui ont un appel de Dieu pour venir écouter un père nous enseigner. Nous serons en direct de Power Channel, nous serons en direct de Amen TV, nous serons en direct de toutes les pages du ministère Amen et de l'église Port des Cieux. Nous aurons des pasteurs de toute la vie de Kinshasa et Dieu nous fera grâce. Le thème c'est ceci: les grands principes spirituels et sacrés du sacerdoce. Du mercredi 11 au vendredi 17 juin 2022. Mercredi 11 et vendredi 17 juin 2022. De 8h30 à 14h. De 8h30, il y aura des enseignements. Il va aussi donner l'opportunité de poser des questions. Et il va aussi nous impacter dans l'onction. En tout cas, les pasteurs vont se mobiliser déjà de tout Kinshasa pour être là. L'église de Jésus au Congo passe par un temps de tumulte. Nous tous nous demandons qu'un père parle. Et nous l'avons dit, papa, tu es l'un des piliers de ce... Vous savez que l'apôtre Mutombo, c'est lui qui a fait la délivrance de Mamolang. Okay. La plupart des enfants de Molang sont passés entre ses mains avant même de voyager. Donc, l'apôtre Mbi organisait ses croisades. Donc, ce n'est pas un père ordinaire, c'est un patriarche. Ce n'est pas patriarche communautaire, c'est patriarche pilier de l'église de Christ au Congo. Donc, être patriarche de sa communauté, c'est bien, mais patriarche de l'église
de l'église du réveil au Congo. Et je l'ai provoqué, j'ai dit, papa, tu dois parler. Tu dois nous parler. Et il a hâte de venir se déverser parmi nous. Donc prenez rendez-vous avec le destin, Dieu nous fera grâce. Et le dernier programme que je donne, c'est enfin, nous allons aller en croisade après Massina, Gili Sainte-Thérèse, du 1er juillet au 3 juillet 2022. Vendredi, samedi, dimanche, nous allons avec explosion du prophétique et des miracles à Gili Sainte-Thérèse et Kozalamo. Est-ce que tu es prêt pour ça? Après, qui était la Massina? Ce qui va se faire à Sainte-Thérèse, ça va être catastrophique. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les paralytiques vont marcher, et la voyance va opérer. Ta manière d'acclamer, c'est comme si tu n'étais pas de cette église. On va mettre des panneaux, des affiches partout. Nous allons gagner des âmes et faire l'œuvre de Christ. Tous ceux qui apportent leur dîme vont avancer. Je vais prier pour vous. Vous avez emmené votre dîme ce matin. Les enveloppes sont là. Vous allez avancer. Vous êtes en direct ce matin. Vous voulez envoyer votre dîme. Envoyer votre prémisse. Envoyer une offrande ou une action de grâce. Les enveloppes sont là. Et par vous êtes en direct. Nous avons un code QR qui est là. Vous pouvez l'utiliser pour passer et envoyer votre dîme. Protocole, aider les gens à s'espacer. Il y a de la place pour tout le monde. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Chantons Saint-Esprit. Oh, consolateur. Alléluia. Révélateur. Comment? Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Levez les enveloppes, je vais prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Lorsque nous apportons nos dîmes, nous te disons que tu es en premier. Après avoir reçu, nous t'apportons le premier dixième prélevé avant une quelconque dépense. Nous pouvons aussi tout utiliser. Mais quand nous amenons la dîme, nous te disons, nous ne mangerons pas ta part. Bénis ces hommes et ces femmes. Que l'onction pour la richesse soit leur partage. Qu'ils soient multipliés financièrement. Et qu'ils expérimentent la prospérité financière en ce mois de mai. Tu as donné des richesses
à Abraham. C'était pas n'importe quelle richesse. Il a eu une dizaine de richesses venant de différents royaumes. Et quel genre de richesse il avait eu? Ils sont fils d'Abraham. Et ils ont apporté la portion de l'alliance. Ils sont en direct et même ici. Qu'ils soient bénis et qu'ils prospèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Déposez sur l'autel. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Vous bénisse. Qu'il 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 vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Balance les deux mains. Est-ce que dehors là-bas il y a la joie? À l'extérieur, balancez les mains, balancez les mains. Montre à Dieu tes deux mains parce que les anges qui amènent l'argent veulent voir des mains sur lesquels ils vont déposer de l'argent cette semaine. Il y a des anges qui ont de l'argent cette semaine. Montre tes mains, montre tes mains, montre tes mains. En cette semaine, l'argent vient sur ton chemin. Quand Jésus a dit à Pierre, lance le filet là. Tous les poissons se sont donné rendez-vous là où Jésus avait dit. Quand il a jeté le filet, les filets ont commencé à se rompre. Cette semaine, l'argent se donne rendez-vous partout où tu passeras. L'argent de Kinshasa, avant d'aller dans les mains des expatriés, de finir dans des banques, vont dormir entre tes mains. Je ne parle pas de 20 dollars et de 100 dollars. Je te parle de 50 000, je te parle de 200 000, je te parle d'un million, de 1 500 000. Reçois cela. Je libère le ministère des anges en ta faveur. Au nom de... J'ai lié cela sur la terre. Cela est lié dans les cieux. Lève-toi, on va lire la parole de Dieu. Je vous propose aujourd'hui trois textes. Psaume 91. Psaume 91. Amen. Psaume 91. Psaume 91. Versets 14 et 15. Versets 14 et 15. Psaume 91. Psaume 91. Ou 91. 91, qu'on a en français 91. Versets 14 et 15. Versets 14 et 15. Qui aime le psaume 91 ici? Qui aime ce psaume? Qui aime ce psaume? Balance les mains. En cette période, dis-toi, Daddy m'a donné ce psaume comme un bouclier. On va lire versets 14 et 15. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3, c'est parti. Hold on, please. On va le lire. Lis-le comme si tu étais le prédicateur du jour. Lis-le avec onction, avec force. Une, deux, trois, c'est parti. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît. Que Dieu, puisqu'il t'aime. Amen. Que Dieu te délivre. Que Dieu te protège. Parce que tu connais le nom de... Verset 15. Il m'invoquera. Tu ne mourras pas aujourd'hui.
Tu vas vieillir. Tu auras des cheveux blancs sur la tête. Et tu regarderas les rétroviseurs et tu diras, comme David, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné et sa postérité mendier son pain. Ne peuvent dire ce verset que les personnes qui sont avancés en âge. Oui. Je déclare que tu citeras ce verset en son temps. Parce que tu vieilliras. Voilà pourquoi la mort n'est pas au rendez-vous. Au nom de... Verset 15, on reprend et on termine. 1, 2, 3, go. Il. Et je lui répondrai. Je serai avec lui de la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous et acclamez pour la parole du Seigneur. Pourquoi la délivrance? Pourquoi dois-je expérimenter la délivrance? Pourquoi je dois passer par la délivrance? Pourquoi la délivrance? En étudiant ce psaume 91, verset 15, j'ai soutiré plusieurs éléments. Je vais le lire dans différentes versions. Il est écrit, il m'invoquera et je lui répondrai. Prenons juste cette dernière partie. Je le délivrerai et je le glorifierai. Une autre version dit, je le délivrerai et je lui rendrai son honneur. Une autre version dit, je vais le délivrer et je vais l'honorer. Qui le dit? C'est Dieu. Et Dieu me dit de te dire. Un, il va te délivrer. Et de deux, il va te glorifier. Est-ce que tu es prêt? Je ne vais prêcher que sur cette portion. Je le délivrerai et je le glorifierai. Alors Dieu parle à qui? Dieu parle à cette église. Dieu parle à chacun individuellement. Et Dieu est l'acteur principal qui va conjuguer ces deux verbes. Dieu t'annonce ce qu'il veut faire avec toi. Premièrement, il dit, je le délivrerai. Deuxièmement, je le glorifierai. Je répète, premièrement, moi Dieu, je vais te délivrer. Et deuxièmement, moi Dieu, je vais te glorifier. Première chose, notez qu'il y a deux verbes conjugués que Dieu aura à passer en action. Premier verbe, c'est le verbe délivrer. Et deuxième verbe, c'est le verbe glorifier. Deuxième chose, le verbe délivrer vient avant le verbe glorifier. Vous avez remarqué? Le verbe glorifier vient après le verbe délivrer. En d'autres termes, le verbe glorifier est la destination. Mais le verbe délivrer est le processus. Je répète, le verbe glorifier est le point final. Mais le verbe délivrer est le chemin par lequel on passe pour arriver au point final. Troisième chose, Dieu parle de la délivrance avant de parler de la gloire. Dieu parle de la libération avant de parler de la glorification. Pourquoi Dieu le dit? Parce que plusieurs chrétiens ne comprennent pas. Plusieurs versets, nous les connaissons. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen.
Et nous pensons à la gloire financière. Nous pensons à la gloire du mariage. Nous pensons à la gloire du ministère. Nous pensons à la gloire de l'élévation politique. Nous pensons à la gloire de la célébrité. Nous pensons à la gloire dans le ministère. N'est-ce pas, il est écrit aussi dans Romains 8, ce qu'il a connu les a prédestinés d'avance à être semblables à l'image de son fils. Les personnes qu'il a appelées, il les a justifiées, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. En d'autres termes, nous avons tous une espérance que la gloire est notre finalité. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire est la finalité. Alors, quand on le dit ici, Dieu dit, il va te glorifier. Beaucoup de chrétiens vont dire, oh non, prophète Joël, Dieu a dit, il ne partagera sa gloire avec personne. Comment tu peux dire que Dieu va me glorifier? On ne glorifie pas un homme. On ne glorifie que Dieu. Laisse-moi te dire, quand Dieu dit dans Ésaïe qu'il ne partage sa gloire avec personne, Dieu parle de la gloire de l'adoration. Oui. Il parle de la gloire de l'adoration. En d'autres termes, quand on devra adorer quelqu'un, la gloire qui m'est due, je ne la donnerai à personne à côté. Et Jésus nous a appris à prier. Il a confirmé cela. Car c'est à toi qu'appartient, pour des siècles et des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Car c'est à toi. Cette gloire-là ne lui appartient qu'à lui. Et Dieu ne la partage avec personne. Pharaon a dit à Joseph, je te donne mon anneau. Je te donne le droit de vie et de mort sur tous ceux qui sont ici en Égypte. Seulement, je ne partagerai pas une seule chose. Le trône. Parce que le trône, il n'y a que moi qui se mets là. Ça, c'est ce qu'on appelle la gloire de l'adoration. La gloire de la position de la divinité. Qui est unique et ne partage avec personne. Mais Jésus a dit dans Jean, Père, je leur ai donné ma gloire. Lisez avec moi. Jean. Dis à ton voisin, Dieu va partager avec moi sa gloire. On est dans quel Jean là? 17, hein? Jean 17. Verset 22. Verset 22. Verset 20 à 22. 20 à 22. Là, je le dis pour les religieux, hein? Ne touche pas la gloire de Dieu. Dieu ne m'a pas glorifié. Non, 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 Seigneur, je ne suis rien. Nasa et bombolo, et ça, les lots. Yapamba. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis pas digne de la gloire. Regarde ton voisin, dit maintenant, je suis digne de la gloire. Amen. On peut lire le verset. Jean chapitre 17. Jean 17. Verset 20 et suivant. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Est-ce que quelqu'un déjà par sa parole déclaré Jésus et a cru en lui? Il dit, afin que tout soit un, comme toi Père tu es en moi et que je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Aïe, aïe, aïe. Amen, amen, amen. Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire.
La gloire qui ne partage pas, c'est la gloire de l'adoration. Mais il y a un autre type de gloire que Dieu partage. C'est la gloire de la nature. Lorsqu'on prend une tige qui produit une fleur, il y a ce qu'on appelle les bourgeons. Vous connaissez les bourgeons? Les bourgeons, c'est la dimension potentielle de la fleur. Donc c'est comme une tige avec une petite boule au-dessus. Et la fleur est à l'intérieur. Quand on dit la gloire de la fleur, c'est quoi? La gloire de la fleur, c'est quand l'image intérieure est pleinement à découvert. Ok, comme dit Nicolas, on dirait fleur à fumoami. Ces derniers étaient en train de briller comme une fleur. Quand on dit la gloire de la fleur, ce n'est pas le bourgeon. La gloire de la fleur, c'est quand l'image interne de la fleur se manifeste pleinement à l'extérieur. Pourquoi Jésus est appelé la gloire de Dieu? Parce que dans Hébreux 1, il est écrit. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Donc Dieu ne le voit pas. Mais the full manifestation of God is Jesus Christ. Quand Dieu dit il te partage sa gloire, c'est pourquoi? Pour que tu sois pleinement comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu tombe malade? Quand il te partage sa gloire, tu n'expérimentes pas le don de guérison. Le don de guérison devient pour les païens. Toi, tu expérimentes le verset qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Dieu n'a aucune gloire quand on t'hospitalise tous les 3 mois. Le temps est venu. Tu vieilliras sans avoir été opéré ni hospitalisé à partir de maintenant. Dieu m'a dit, il va te glorifier en cette saison. Le monde va voir sa gloire au travers de toi, au travers de tes affaires, au travers de ton ministère. Amen. Dieu a dit, je le glorifierai. Et c'est le plan de Dieu pour ton entreprise. C'est la destination finale pour ton ministère. Pour ton mariage. Pour tes enfants. Pour ta nation. Pour ton église. Mais dans ce verset, Dieu dit un préalable. Je le délivrerai. Et je le glorifierai. Plusieurs chrétiens cherchent la gloire. Déclare la gloire. Prophétise la gloire. Voient la gloire. D'autres prophètes même voient leur gloire. Mais bizarrement, à la fin de leur vie, ils n'ont pas fini dans la gloire, mais dans la honte. Je le répète encore, la prophétie n'est pas la garantie. L'année passée à Anouka, j'ai vu des gens sur qui on a prophétisé ici quitter l'église et être presque nulle part aujourd'hui. Amen. Cette année même encore, après Anouka, Satan peut aussi t'amener dans les choses où tu es convaincu que c'est Dieu qui te dit. La prophétie d'Anouka n'est pas suffisante. 40 jours n'est pas suffisante. D'ailleurs, c'est après que Jésus ait terminé son 40 jours que Satan est venu. Écoute-moi, le jeûne appelle Satan. Amen. Il
Les longs temps de prière appellent Satan. Si tu ne réussis pas au test, tout ce pourquoi tu as payé le prix, tu vas le perdre à la fin des 40 jours. Voilà pourquoi faites attention après Anouka. Discernement des esprits. Tu vas oublier pourquoi tu as été ici tous les jours. À cause d'une petite chose. Et puis, tu passes à côté. Toute la gloire qu'on a vue sur toi. Dieu dit, tu vas te marier. Dieu dit, tu vas être élevé. La gloire n'est pas. La gloire et la prophétie de la gloire n'est pas suffisante. J'ai vu des gens ayant été promis pour la gloire. Mais on finit dans la honte. Pourquoi? Ils ont voulu que Dieu conjugue le verbe glorifier, mais ils n'ont pas laissé Dieu conjuguer le verbe délivrer dans leur vie. Plusieurs chrétiens aiment que Dieu conjugue le verbe je te délivrerai, mais ils ne laissent pas Dieu conjuguer en eux le verbe je te glorifierai. Plusieurs veulent je te glorifierai, mais ne veulent pas que Dieu conjugue je te délivrerai. Lorsqu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de gloire. Amen. 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 Il n'y a pas de gloire sans délivrance. Avant que Joseph n'arrive dans la gloire chez Pharaon, il doit être délivré de la prison à l'intérieur. Avant que Jésus ne connaisse la gloire à la droite du Père, il doit être délivré du séjour des morts où il est durant trois jours. Pourquoi je dois avoir la délivrance? C'est le passage obligé pour la gloire. Première chose, tu n'es pas délivré, tu ne seras pas glorifié. Deuxième chose, la pire des quatre figures, c'est ça. Le pire, tu es glorifié sans avoir été délivré. Je préfère encore. Je rate la gloire, mais je laisse Dieu me délivrer. Que de vivre la gloire sans avoir été délivré. Vaut mieux qu'encore dans la vallée, Dieu traite tes gènes, Dieu traite tes liens, Dieu traite ton caractère, Dieu traite tes hôtels de famille. Dieu traite les challenges que tu as avant que tu ne montes. Parce que quand tu montes, tout ce que tu as montera. C'est comme un conseil. Il était le neveu d'un ministre à une époque. Le monsieur est passé ministre par relation. Son neveu était son directeur de cabinet. Il fallait qu'il lise tous les discours. Quand il parlait comme ça, il faisait les erreurs de français. Et son neveu l'a dit, chef, c'était des choses qu'on devait résoudre depuis longtemps. Parce que ton mauvais français de la vallée, c'est bien. Mais quand tu arrives à la montagne, Ton français ne change pas parce que tu es à la montagne. Ah. Tu vas faire les mêmes erreurs de français sur la montagne comme tu faisais dans la vallée. Quand tu montes, tout monte. Tu es encore chez vous à la maison, tu nettoies rien. Ni les vêtements, ni la lessive, la vaisselle. Tu ne sais rien faire à la maison. Dieu ne t'a pas encore délivré de cet esprit de goy-goy féminin. Zololo. Zololo. Toi seulement.
Le jour où tu es femme d'une autorité, cette position ne va pas t'octroyer immédiatement et magiquement la capacité de maintenir la maison. Ce que tu ne connaissais pas dans la vallée, tu ne connaîtras pas dans la montagne. Voilà pourquoi le problème, ce n'est pas monter, mais c'est dans quel état tu montes. Amen. Le problème n'est pas d'être élevé, mais c'est dans quel état que tu es élevé. Écoute-moi, le plus important de la vie, ce n'est pas de courir. Il y a des gens qui courent. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas d'aller vite. Ce n'est pas d'aller loin. Mais le plus longtemps possible. Allô? Quelqu'un me comprend? L'onction va te faire monter au sommet. Mais c'est le caractère de ta vie qui te maintiendra au sommet. Tes grâces peuvent t'ouvrir des portes, mais c'est ton caractère qui te donnera une chaise pour t'asseoir. Voilà pourquoi Dieu te dit ce matin, je te délivrerai et je te glorifierai. On doit délivrer ta bouche là. Tu parles mal aux gens. On doit délivrer ton caractère, te délivrer de la colère, te délivrer de ce que tu as dans les gènes. Pourquoi Dieu avait rejeté Saül, mais n'avait pas mis David directement sur le trône? Pourquoi Dieu qui est responsable peut rejeter un homme et le laisser encore là pendant 25 ans? Dans la Bible, il était rejeté 25 ans. Il était encore roi. Dieu est capable de laisser un incompétent sur le trône pour ne pas faire la même erreur deux fois. Amen. Il va prendre 25 ans pour préparer David. Afin que quand il sera roi, qu'il ne répète pas les erreurs de Saül. Voilà pourquoi David a dit dans le psaume 51. Il dit, regarde ce que j'ai fait. Il dit, je me souviens. Je jouais à la harpe. Par l'Esprit de Dieu sur moi. Devant un roi. Dans lequel l'Esprit avait quitté. Les esprits mauvais agissaient. J'ai vu à quoi ressemble un roi sans l'Esprit. Ne me jette pas loin de ta face. Et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce qu'il savait à quoi on ressemble quand on est roi sans l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je dis à ceux qui sont appelés au ministère, quand Dieu est pressé, il marche lentement. Il doit prendre le temps de te délivrer. La délivrance n'est pas que l'expulsion des démons. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas toujours couper des liens, mais c'est de te préparer. C'est de retirer toute chose qui peut être un obstacle en toi pour l'élévation. Dieu t'appelle aujourd'hui. Laissez-la. Dieu t'appelle aujourd'hui. Et toi, tu veux seulement aujourd'hui. Tu deviens révérend. Grand prophète. Grand apôtre. Grand évangéliste. L'homme de Dieu. Kene Malembe. Tu vas te casser la gueule au sommet.
Avant de te glorifier, Dieu doit te délivrer. Et une année après que Dieu ait rejeté Saül, quand tu le regardes, tu dis, mais moi j'ai l'onction. Je mérite cette place-là. Dieu sait quand tu es prêt, quand tu n'es pas prêt. Oui. Tu sais, mais des fois, tu regardes la femme et tu dis, papa, tu dis des choses que tu ne connais pas. Si Dieu te mettait près de cet homme, si Dieu te mettait près de cette femme, si Dieu te mettait pasteur, assistante ici, ou assistante, ça ne veut pas dire que tu aurais réussi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de moi. Délivre-moi de ma folie. Délivre-moi de mes faiblesses. Délivre-moi des choses qu'il y a dans mes gènes. Je veux monter et je veux me maintenir dans l'élévation. Quand j'étais jeune dans le ministère, j'attaquais tout le temps les pères. Ils ont divorcé. Les pères du Congo, ils ont tous divorcé. Jusqu'au jour où je me suis marié. Je ne parlerai pas aujourd'hui, peut-être après 20 ans ou 10 ans. Il y a des choses que vous ne connaissez pas que les gens vivent dans leur maison. Et souvent, c'est les gens qui se font passer pour les victimes qui sont souvent les problèmes. Et quand tu vois quelqu'un qui ne parle pas, peut-être qu'il a beaucoup à dire. Amen, papa. Amen. C'est fou. Tu sais, tous ceux qui sont mariés ici vous diront, on ne critique pas le mariage des autres parce que tu ne sais pas ce que chacun vit à l'intérieur. Amen. Une prophétesse m'a vu ici, ça fait quelques jours au bureau. Elle dit, papa, je ne suis pas parfaite. J'ai pris des gens en charge. J'ai donné l'argent. J'ai promu des gens. J'ai hébergé des gens. Mais je n'ai pas compris. Trois quarts de mes ouvriers ont quitté l'église. Le bishop Dagmalis dit, quand tu es pasteur, tu vivras ces choses tôt ou tard. Quelqu'un que tu aimes va te quitter. Quelqu'un que tu aimes va te trahir. Quelqu'un que tu aimes va te manquer du respect. Quelqu'un que tu aimes va voler l'argent de l'église. Même Judas avait volé. Papa, olinga, olingate, ces choses-là arriveront dans toutes les pastorales, ça existe. Vouloir ou pas, et ça n'a pas qu'à vous, pour comme l'on a qu'à t'y n'étant pas tout coquet, de batolinga, roquet, de koïba bongo, pour ça n'a pas qu'à vous, et c'est l'été, n'a pas qu'à vous, allez, mon bateli, ma cambouana, et cocoma. Être assis au pourtour, c'est facile, hein? Kovana bisika open pete. Arrête nengenini. Apona nini yazo koka kopeta ndembote. Et on va brûler leur maison. Pe bazui ba kekotia moto na bandaku na bango. Toi qui sais si bien jouer, on te donne le ballon. Malamba pesion ndembo. Joue. Beta. Marc. Kotisa. Cours d'un coin à un autre pendant 45 minutes. Ki mambangu kouta awa pe bisika mususu na 45 minutes. Deux fois. Balami balé. Plus prolongation. Koba ki sa pe prolongation. Fais-le. Sala. Fais. Sala. Amen. Voilà pourquoi même quand on prend des responsabilités, on doit les prendre avec humilité. Amen. Tu es aujourd'hui nouveau gouverneur. Nouveau ministre. Nouveau président. Nouveau pasteur. Nouvelle mariée. Nouveau marié, ne sois pas un donneur de leçons de ceux qui sont passés. On te jugera par ton bilan. Amen, papa. Quand nous on sera là-bas, on fera ça. Maintenant, vous avez fait quoi? Tu sais, je vois, dans l'église où je priais, j'étais président des jeunes. À une époque, c'était notre pasteur Willy Luzolo qui est mort actuellement. Il est auprès du Seigneur, qui était président. Alors, Willy Luzolo, la jeunesse était bien, mais moi, j'avais l'onction, j'avais les dons, j'avais.
qui disait nga suba pesinga jeunesse oyo. Moi je ferai des choses extraordinaires. La part des prédicateurs que vous voyez à Kinshasa ici, je les avais invités à la jeunesse de Déborah. À l'époque, tous les pasteurs que vous voyez ici. Je m'efforce de ne plus citer les noms des gens du haut de ma chair aussi. Mais je les ai invités sur ma chair. Un moment, ça allait bien. Un moment, les gens ne venaient plus. Moi, j'étais fatigué. Je me dis, qu'est-ce que je n'ai pas pour que les jeunes viennent voir un homme charismatique comme moi? Donc, les gens ne venaient plus. C'est là que j'ai réalisé avoir le zèle, ce n'est pas suffisant. Avoir des projets, ce n'est pas suffisant. Dieu doit d'abord te préparer avant de t'élever. Lève les mains du Seigneur, délivre-moi. Avant de me glorifier. Acclame très fort. En cette saison, à la porte des cieux, nous cherchons la délivrance. Dans tous les domaines, ne te dis pas, oh moi je suis déjà ceci. Moi je, papa, humilie-toi. Il y a un pasteur que je connaissais, il est sale. Donc, à Soukolakate, Bilamba Kati à Soukolakate. Ses petites tenues, il ne lave pas. Tant que mon matin. Pendant quand il a été élevé. Naebisie Yaka. Je lui ai dit viens. Na memi a somi ba coupé à Kati. Je lui ai il a amené il a acheté des petites tenues. J'ai dit il faut trouver le moyen maintenant de laver ça. Et Mobali a somi à peine metté. Et l'homme n'achète pas les petites tenues blanches. Ok. Tu m'entends? Tu n'es pas un mannequin pour faire des publicités ici. Oza mannequin de pour les canamis soit battu. Bomba bomba. Les hommes, eux, mobile à ce marque pour tout là, il y a pas mété. Un homme n'achète pas des petites tenues blanches. Qu'est-ce que tu veux? Non, mon ma frein est là. Et la transpiration, tout ce qui va avec, va rester là-dedans. Somba couleur, il y a moutane et remonte sa main. Achète de couleur rouge qui va cacher un peu toutes ces choses là. C'est le conseil de papa. Hé, hey, les hommes, hey. Bientôt la réunion de papa, il faut arranger ça. Moi, je n'aime pas ce genre de choses. Et quand il a commencé à monter, quand tu es près de lui, il aime Dieu, mais il sentait mauvais. Je l'ai amené, je l'ai plus jamais. Je l'ai offert des douzaines. Allez, sur ma bouche. La première saison, il portait et jetait. Il portait. J'ai dit, mais c'est pas un usage unique, il faut laver. Avant la gloire, il faut se préparer. Quand on a appelé Joseph d'aller voir Pharaon, on l'avait lavé, on l'a coiffé, on l'a habillé. Après, il est parti voir Pharaon. Il faut se préparer à la gloire. Il faut se préparer au mariage. Oui. On se prépare au mariage. Que Dieu bénisse nos mamans qui nous préparaient. Tu vas épouser un homme qui sent très mauvais. La maison est très sale. Les enfants, les pampers, toute une montagne de pampers à la maison, utilisés, non jetés. Tu sais, j'ai une prière actuellement. Le Seigneur, par ta grâce, tu m'as emmené jusqu'où je suis arrivé. Mais je sais qu'il y a encore loin où tu m'emmènes. Aujourd'hui, là, purifie-moi. Délivre-moi. Prépare-moi. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, ça ne se manifeste pas. C'est après à un certain degré de gloire. Quel est ce papa qui a divorcé à la fin de sa vie? Amen. Papa Izenga.
Na souka vi na ya divorce. Au soir de sa vie, il a divorcé. Nul n'est à l'abri de ce qui arrive aux autres êtres humains. Amen. Mon côté azali libana la o ezali ko komela matumisu sous le col aye. Lève les mains, dis Seigneur, prépare-moi à la gloire. Seigneur, prépare-moi à la gloire. Amen. Moi, je vais être président. Moi, je veux postuler. Avec ce caractère-là qu'on connaît. Le caractère qu'on connaît en famille, là, on te connaît. En famille, déjà, on te connaît. Dans le quartier. 2023, on doit censurer des gens avec des votes sévères. Amen. 2023, hier, j'ai vu ici, on a été bloqué avec des embouteillages. À un moment, je regardais, je disais, voilà comment les Congolais sont. On va aller, on porte des polos pour des gens, des fois, qui sont des ignorants, des personnes qui n'ont pas de fardeau pour le pays. Lobi na mona ki lolenge ni tokanga ma ki na mbudiage a we pesa inga pasi na mutema bi lobi tokola te susu na bapolo na bato bazata na kilo ya batu ya le dire ce n'est pas insulter quelqu'un frère, il faut qu'on soit conscient. Amen. Quelqu'un qui n'est pas préparé, il ne faut pas le voter. Amen. Koloba makambo ezali ko finga mutu te bandeko mutu owo so mona azana makokite ko pesa ye pe esika te akoma mokonzi. Lève m'a dit Seigneur, même moi aussi je me prêche. Dis à ton voisin, dis à Dieu, Seigneur, prépare-moi. Seigneur, prépare-moi. Attends à mon azomité. Et l'un des grands domaines où Dieu doit te délivrer, c'est le domaine de tes gènes. Amen. Père Oezali, pourquoi ma camboa miné, si quand ça va se gagner à Kangolayo, et ça oezali na katinayo. Tu pourras changer de teint. Mais pas de sang. Tu pourras changer de parfum. Mais pas ton sang. Tu pourras changer de couturier. Mais pas ton sang. Tu peux changer de quartier où tu vas habiter. Mais pas ton sang. Tu peux changer de passeport. De passeport ordinaire. Un passeport de service. Un passeport diplomatique. Mais tu ne changeras pas ton sang. Sans que tu n'as pas traité. Quand tu avais un passeport ordinaire, va te ramasser un passeport diplomatique. Changer de nationalité. Tu ne changeras pas tes gènes. Tu peux changer de coiffure. Tu peux changer de statut social. De cas compliqués à engager. D'engager à fiancer. De fiancer à marier. Mais si tu n'as pas traité tes gènes, quand le cas était compliqué, ça va te ramasser quand tu seras maman. Ce matin, je voulais nous amener à prendre conscience de l'importance de la délivrance. Tu vas loin avec Dieu. Tu sais, tu n'as aucune idée de là où Dieu veut t'emmener. Mais il y a des choses qu'il faut laisser Dieu traiter en toi. Dieu fixé, retiré, ajouté, changé en toi. Pourquoi? Ces choses-là, si tu montes avec, ça va exploser au sommet. Dans le lieu saint, il y avait des choses que Dieu permettait. Les gens entraient comme ils voulaient. Mais on était déjà dans le tabernacle. Mais quand il fallait faire un pas de plus vers le lieu saint, est-ce que ça veut dire que le parvis n'était pas saint? Quand on quittait là, on allait encore à une autre étape. Le lieu est très saint. Maintenant tu comprends. Il y a des niveaux où Dieu t'emmènera, il ne sera pas autant exigeant envers toi.
Il va faire comme s'il ne voit rien et te supporte. Une autre dimension d'onction. Tu vas voir que Dieu commence à t'interdire des choses. Amen. Tu sens Dieu devenir trop dur avec toi. Ce qui n'était pas péché ici devient péché ici. Mais à une autre dimension. Là où Dieu t'amène. Tu vas te dire Dieu est méchant. Dieu est mauvais. Quand Dieu t'appelle à être l'homme ou la femme par lequel ou laquelle la nation sera bénie, la génération sera bénie, amen. Dieu te traitera plus durement que tous les autres que tu as laissés derrière. Celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Lève les deux mains et dis, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, prépare-moi. Je termine par un conseil à ceux de ma génération, dans le ministère, à ceux qui se préparent au mariage. Même pour le mariage. Depuis quelque temps, quand je parle du mariage, je dis aux gens, il faut désillusionner les gens. Oui. Avant, on disait aux gens, non, les mariages, papa, il ne faut pas faire rêver les gens. Il faut dire aux gens la vérité sur le mariage. La vérité sur le ministère. La vérité sur le monde des affaires. La vérité sur la politique. Il ne faut pas mettre des gens dans les rêves. Comme si... Non, non, il faut dire aux gens les vraies réalités de chaque domaine. Tu peux t'imaginer que je reviens du Ghana, tout le monde est content ici, n'est-ce pas? Mais on était tous les jours au parquet. Avec les avocats. Vous savez, on vous a porté plainte ici. Vous avez plainte là-bas. Vous avez plainte là-bas. Vous avez plainte là-bas. Vous avez plainte là-bas. Les fidèles ne voient pas ça. Mais tu ne connais pas le poids des dossiers qu'il a dans sa tête. Alors, quand on dit aux gens le ministère, c'est bien. Il faut dire aux gens, le ministère, ce n'est pas que prêcher. C'est gérer même des problèmes juridiques. Amen. Il faut dire aux gens la vérité de chaque domaine. Être parent, c'est bon. Papa, être parent, demandez à Christian. Amen. Il est nouveau baptisé. Ah, oh là là, viens en quoi. Il avait hâte d'avoir un bébé. Maintenant, là, il ne dort pas. Oui, il faut dire aux gens, Yolinka, mariage pour nous autres, moi si peux abortir la césarienne, moi si peux déchirer, moi si peux nous autres abienter, quand nous autres causé la tine, nous autres heureusement bien. Oui, il faut dire aux gens des vérités, il faut dire aux gens des vérités. La femme aura des enfants par césarienne, tu vas entrer aux enfants jusqu'à. Hein? Oui, c'est la vérité. Moi, je ne saurais pas me maîtriser. Tu vas te maîtriser. Quelqu'un me comprend? Est-ce que Moutazo Sosolama? Il faut qu'on prépare notre génération en tant que des responsables. Qu'on les prépare à la politique, c'est un monde. Nzamba zalana la politique. Politique. Dieu n'est pas. Adam Moutabanagi nan Nzambe pour résister. Même c'est si pour ça que commencer avec Dieu, mais pour résister. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Ne sois pas pressé. Moi aussi, je veux avoir l'argent. Les lobes à PCO, 800 000 dollars. Aujourd'hui, on te donne 800 000 dollars. Sikoka, hier, on a bureau. Pas. 800 000 dollars. Téléphone, on reboira déjà. Tu vas commencer par jeter ton téléphone. Même pas offrir à quelqu'un, mais jeter. Toutes les promesses que tu avais dit à Dieu, moi, je vais construire cette église. Je vais aider les veuves.
Papa, naba toi si dana un veuve robosana. Eh, papa, même le sidat et le veuve, tu vas nous capacer la ressomba. Je cherche une parcelle achetée. Libo mes yeux tellement aussi une parcelle à 750 000 dollars. Porte, on a combien? La folie te saisit tellement tu as 800 000 dollars, tu achètes une parcelle à 750 000 dollars. Si on te fait monter au sommet du Sozacom, ce qui va matisser Nicolas Sozacom, la première des choses qui va t'arriver, et le quoi, c'est le kizunguzung. Et ça lui vertige. Dans l'élévation, dans, il y a le vertige. Kizunguzung, amen. Tu regardes l'argent. Tu regardes les soldats. Tu regardes comment on t'acclame. On parle de toi partout. Tu ne te sens plus. Et si dans la vallée, Dieu ne t'avait pas taillé. Tu sais quoi? L'argent ne change pas les gens. L'argent enlève les masques. Amen. Bandazu Mbongo a changé, a changé. Depuis qu'il a eu l'argent, il a changé. Il n'a pas changé. Il était comme ça depuis longtemps. Mais Batamaka. Seulement c'était caché. Batama. C'était caché. Mais maintenant, dans la gloire, le caractère se fait voir. Voilà pourquoi ce matin nous disons à Dieu, va derrière mon masque. Va derrière ce que les gens ne voient pas. À l'intérieur de moi. Et délivre-moi. Amen. Après, glorifie-moi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci, papa. Merci. Prépare-moi à être une bonne femme. Des fois, ne demande pas le mariage. Demande la préparation au mariage. Ne demande pas l'élévation. Demande la préparation à l'élévation. Ne demande pas l'argent. Demande la sagesse de la gestion de l'argent. Ne demande pas l'onction. Demande la sagesse de la gestion de l'onction. Nous allons tous nous lever et lever les mains, prier à Dieu. J'aimerais que chacun parle à Dieu ici. Pendant 3 minutes, chacun va prier. Va dire à Dieu, tu m'as appelé à des grandes choses. Je sens une grande gloire qui arrive. S'il te plaît, taille-moi, brise-moi, déracine en moi tout ce qui peut péter au sommet, tout ce qui peut exploser au sommet, tout ce qui peut tout détruire au sommet. Prépare-moi. Quel que soit le temps que ça prendra, dis-le-moi encore. Répète-le-moi encore. Insiste s'il le faut. Corrige-moi s'il le faut. Mais ne me laisse pas aller au sommet avec le cœur de Saül. Ne me laisse pas aller dans ce mariage avec ce genre de caractère. Ne me laisse pas être maman demain avec ce genre de comportement. Ne me laisse pas être ministre, être député, être sénateur, être gouverneur, être pasteur, être prophète avec ce genre de tempérament. Délivre-moi de moi. Sauve-moi de moi. Libère-moi de la folie. Dans Proverbe, il est écrit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Seigneur mon Dieu, libère-moi de la folie qui s'est attachée à moi depuis que je suis un enfant. Libère-moi de cette folie. Rends-moi sage. Donne-moi le discernement. Donne-moi de l'humilité. Va dans mes gènes. Aide-moi dans le combat spirituel.
dans l'auto-délivrance, dans les enseignements, dans les formations. Vide-moi de moi. Remplis-moi de toi. Vide-moi de l'héritage de mon père et de son père. Remplis-moi de ta nature. Remplis-moi de ta sainteté. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta justice. Deux minutes, prie au Seigneur. Oui, j'espère à cette gloire. Mais avant d'arriver la paix, brise-moi. Change ma vie. Change ma nature. Délivre-moi de l'héritage de mes parents qui peut exploser au sommet et me ramener rapidement encore dans la vallée. Qui peut exploser au sommet et me ridiculiser, me donner la honte et l'opprobre. Seigneur Dieu, je t'en supplie. L'héritage de gloire qui est au-devant de moi, je ne veux pas les détruire par mes propres mains. Je ne veux pas les détruire au nom de... Au nom puissant. Acclame pour le Seigneur. Je vous donne un point de prière. Dieu ne glorifie pas s'il n'a pas délivré. Mais si ça arrive que tu sois glorifié sans délivrance, tu deviendras complice avec Satan pour ta propre destruction. Quelqu'un me comprend? Tu deviendras complice avec tes propres ennemis pour te détruire, t'auto-détruire. Je déclare sur toi. Tu n'es pas une génération sacrifiée. Nous sommes la génération consciente. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons hérité de beaucoup de choses. Mais cet enseignement est venu résoudre le problème. Dis avec moi, mon père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déracine de ma vie. Je retire de mon corps, de mon âme, de mon esprit, toute sémence d'autodestruction dans mon caractère, dans mes gènes, dans mon tempérament, dans mes faiblesses, dans mes défauts, dans mes péchés, dans les iniquités qui peuvent me détruire dans la gloire. Battez les mains, priez. Je te donne 60 secondes, prie. Me détruire aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. J'ai des racines de mes gènes, j'ai des racines de mon sang, j'ai des racines de ma vie. Toutes les informations, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui peut me ramener encore à redescendre plus bas. Quand toi tu vas m'élever, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tous les éléments qui combattent la gloire en moi, tous les éléments qui peuvent me ramener en arrière, tous les éléments qui peuvent me détruire. Quand je serai élevé aujourd'hui, Père, traite-le dans le nom puissant de Jésus. Si cela se trouve dans mon sang, change les pères. Si c'est dans mon caractère, brise-moi ce matin. Délivre-moi de mon orgueil. Délivre-moi, Seigneur, de l'autosuffisance. Yes. Délivre-moi de toutes les choses qui peuvent me ramener rapidement en bas. Au nom puissant de Jésus. Brise-moi, Seigneur. Brise la force du moi. Alléluia, brise la force qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Si je suis ce que je suis, c'est ne que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Brise-moi, oh, la force du moi qui combat mon âme, toute force négative et t'empêche de vivre en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui me lève parmi mes frères et m'empêche, oh mon Jésus. Brise-le, brise la faiblesse, Seigneur. Brise la paresse en moi qui m'empêche de me réveiller la nuit de prier. Brise ces choses, Seigneur. Brise, Seigneur. Brise le sommeil en moi.
en moi. Brise ces choses, Père, qui peuvent devenir pour moi demain les ennemis, Seigneur. Que je ne sois pas mon propre ennemi. Que je ne sois pas l'ennemi de la gloire qui viendra de toi, Père. Oh, donne-moi la forme qu'il faut aujourd'hui. Donne-moi la forme qu'il faut aujourd'hui. Enlève ce qui a enlevé, Seigneur. Au nom de... Ajoute ce qui a rajouté. Oh, non, mets les deux mains sur Jésus. La poitrine, je vais prier Alléluia. Pour toi. Merci, Seigneur. Je prie pour moi et pour ces hommes et ces femmes qui nous suivent. Aujourd'hui, tu as voulu nous amener à une remise en question. Car de très, très grandes choses nous attendent. Tu as fait beaucoup. Mais ce n'est rien. S'il y avait un lieu saint, il y avait aussi un lieu très saint. Si tu as donné, tu peux aussi donner très. Au-delà. Et c'est là où tu nous attends maintenant. Délivre-nous. De la chair. Délivre-nous. De nos gènes. Délivre-nous. De notre folie. Délivre-nous. De l'extrémisme de nos tempéraments. De nos défauts. De nos caractères. Et même des liens. Des chaînes. Des envoûtements, des influences. Délivre-nous et glorifie-nous. Libère-nous et élève-nous. Libération après promotion. Préparation après élévation. Prépare-moi. Prépare-nous. Délivre-nous. Et élève-nous. Cette saison est la saison des délivrances. Merci pour ce message qui travaille en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es triste, acclame bien. Beta maboko malamu, beta maboko koleka. Prends une offrande là où tu es, viens sceller ce que tu as reçu. Prends une offrande, dis à Dieu ce que je donne maintenant. Je me connecte à ce message. Je veux que tes anges me préparent. Je veux que ton esprit me prépare. Je veux qu'en ce mois de mai, tu me prépares. Viens déposer sur l'autel. Vous êtes en direct, faites-le même. Que cette offrande me sécurise au sommet. Que cette offrande me préserve au sommet. Je suis en train de monter, Seigneur. J'ai beaucoup d'ennemis autour de moi. J'ai aussi beaucoup d'ennemis en moi. Mais l'autel que je bâtis, Seigneur, que dans ta miséricorde, tu te souviens de moi. Que tu protèges mon foyer. Que tu protèges mon église. Que tu protèges mon entreprise. Que tu protèges mon mandat. Que tu protèges l'éducation de mes enfants. Que tu protèges ma saison. Que tu me protèges. Que cet autel parle à ma faveur. Que cet autel, faites-le en direct maintenant. Que cet autel parle à ma faveur. 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 Que l'autel que je bâtis, que l'offrande que je donne, préserve ma famille. Préserve mes enfants. Préserve ma santé. Préserve mon mandat. Préserve mon poste. Préserve mon siège. Même là où le malheur devait arriver, que l'offrande qui parle parle à ma faveur. Que l'offrande qui intercepte intercepte ce que les ennemis ont pris et qui veulent l'utiliser contre moi. Préserve.
je te délivrerai et je te glorifierai. Je te délivrerai et je te glorifierai. Je te délivrerai et je te glorifierai. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois Dieu te délivrer, même si ça fait mal, commence à bénir son nom. Parce qu'après la délivrance se cache la gloire. Je dis après la délivrance se cache la gloire. Parce qu'après la délivrance se cache la gloire. Que Dieu délivre tes mains. Que Dieu délivre ton sang. Que Dieu délivre ta manière de parler. Que Dieu délivre tes mauvaises réactions. Que Dieu te délivre de ta colère. De ton impulsivité. De ton manque de maîtrise de soi. Moïse n'a pas été délivré des problèmes des Lévites. Il n'est pas entré dans la terre promise. Il n'est pas entré dans la terre promise. Son père était de Lévi. Sa mère était de Lévi. Le problème, c'était la colère. Par la colère, il a brisé les 10 commandements. Par la colère, il a frappé sur l'Europe. La colère peut te détruire. Tu peux dire des paroles dans la colère que tu vas regretter. Faire des choses dans la colère que tu peux regretter. Voilà pourquoi il faut dire à Dieu, délivre-moi de cette colère, de ce manque de maîtrise. Délivre-moi, Seigneur. Prépare-moi à la gloire qui arrive. Quelqu'un peut commencer à acclamer pour le Seigneur. Nous allons prendre le front du prophète. Nous allons sceller ce que nous avons entendu. Nous avons scellé le message et fait une offrande de préservation. Maintenant, nous allons semer dans l'onction qui est enseignée et dire à Dieu, nous honorons l'onction et nous honorons la grâce qui nous a impacté aujourd'hui. Que Dieu bénisse ceux qui sont dehors. Est-ce qu'ils peuvent acclamer dehors là-bas ou pas acclamer? Que Dieu les bénisse. Protocole. Prends ton offrande du prophète, nous allons prier. Dis à ton voisin, c'est ta saison. Touche tous les voisins, dis à tes voisins, c'est ta saison. Toi qui es ici dehors, dis à ton voisin, c'est ta saison. Tous ceux qui sont dehors, dites à vos voisins, c'est ta saison. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dehors ici, c'est ta saison. Prends ton offrande du prophète, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que les mains qui s'ouvrent pour semer dans l'onction, dans la grâce et dans la parole, reçoivent en cette semaine fois 10, fois 100 et fois 1000 ce qui sera donné. Avancez. Vous êtes en direct, faites-le en ligne et que Dieu vous bénisse abondamment. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui m'élève parmi mes frères et m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise, oh la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi.
Brise l'égoïsme dans mon cœur. Brise, brise, oh, la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise, la force du péché, mais brise, l'ennemi de mon âme, c'est moi-même. Je t'en supplie, mais brise. Je n'ai pas de force, tu le sais. L'ennemi de mon âme, c'est moi. Brise. On acclame très fort pour Jésus, très fort. Qui sont venus pour la première fois à la porte des cieux. Veuillez vous lever. C'est la première fois de venir. Veuillez vous lever. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Wow. Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la porte des cieux. Et nous sommes très ravis de vous recevoir en ce dimanche. En tout cas, vous avez vu comment nous vous avons accueillis. Nous sommes dans la joie. Si vous avez déjà une église, en tout cas, vous pensez revenir, vous êtes les bienvenus parmi nous. Si vous n'avez pas d'église, c'est déjà votre église. Mais acceptez de remplir la fiche que nous vous avons donnée. Et vous allez déposer cela entre les mains d'un protocole qui sera juste à l'entrée de... l'église. Parce que nous aimerons garder contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci, mettez-vous. On les acclame encore très fort. Nous avons réunion avec tous les ouvriers sans exception tout à l'heure. 11h15. 11h15 à midi. 11h15 midi. Tous les ouvriers, tous ceux qui travaillent à l'église. C'est obligatoire, une réunion indispensable. Dès qu'on va dire Amen, les mamans vont nous attendre. Toutes les femmes, toutes les mamans, vous allez attendre. On va faire un cercle avec les protocoles. Et je vous partage une bonne nouvelle. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour clôturer la prière. Je demande au pasteur Dani d'avancer et de le recommander à la grâce du Seigneur. Amen. Amen. On va lever nos mains. Je déclare ce dimanche béni au nom de Jésus. Que ce que nous avons reçu ce matin, que cela nous accompagne dans notre vie jusqu'à ce que Jésus revienne au nom de Jésus. Je déclare que nous sommes délivrés de nos caractères, de notre façon de voir les choses. Dans nos gènes, nous sommes délivrés. Que cette délivrance, nous ne puissions pas la perdre au nom de Jésus. Que nous soyons bénis aujourd'hui et à jamais. Que le Seigneur bénisse nos vies et qu'aujourd'hui, nous puissions être des enfants modèles, des enfants qui aiment le Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous te disons merci pour ta grâce infinie. Nous te disons merci pour ton amour. Laisse que ce dimanche soit une journée de gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen.